admirable, tu es incomparable, Seigneur. Tu es réellement l'éternel et Dieu tout-puissant parmi nous. Emmanuel, c'est toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous avons regardé, nous avons cherché un nom que nous pouvions louer, que nous pouvions aimer, que nous pouvions adorer. Il n'y a point de toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul et l'unique notre Dieu qui mérite tellement l'adoration. Oh, que ton nom soit loué. Mon âme te loue, mon cœur t'adore, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir encore, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer, danser et chanter pour toi. Parce que ce que tu as fait, aucun homme ne pouvait le faire, Seigneur. J'étais perdu, tu m'as cherché, Seigneur. J'étais éloigné, tu m'as racheté, Seigneur. Pour moi, Seigneur, te donner ta vie. Comment ne pas te remercier, Seigneur? Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de notre pasteur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous avons de bonnes raisons pour te louer et t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir, pour réellement élever ton Saint-Nom. Parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous t'exaltons, c'est pourquoi nous chantons, c'est pourquoi nous dansons, c'est pourquoi nous poussons les cris de joie. Parce que tu es le seul éternel. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir libérés. Merci, Seigneur, de nous avoir lavés par ton sang précieux. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'autorité. Seigneur, nous nous approchons de toi avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs sincères, reconnaissant l'œuvre que tu as accomplie en ce lieu. Seigneur, nous savons que tu es présent parmi nous. Et Seigneur, ta présence ne fait jamais défaut. Tu as toujours été fidèle au rendez-vous. Ce soir, tu es là, Seigneur, pour nous libérer. Ce soir, tu es là, Seigneur, pour nous délivrer. Ce soir, tu es là pour nous pardonner. Ce soir, tu es là pour nous purifier. Ce soir, tu es là pour nous affranchir, Seigneur. Et surtout pour nous parler, notre Dieu. C'est pourquoi, le soir et mon cœur, viens réellement faire de nous ce que tu veux. Seigneur, glorifie ton nom parmi nous. Seigneur, tu sieds réellement au milieu de la louange de ton peuple, mon sauveur. Merci parce que, au travers de la louange, mon sauveur, tu fais réellement rayonner ton visage. Et tu fais réellement, tu brises réellement les chaînes. Oh Dieu, Satan est réellement sous nos pieds. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'autorité. Seigneur, voici le moment où nous voulons encore t'écouter nous parler. Viens, Seigneur, tu es là, Seigneur, présent parmi nous. Viens agir, viens parler, Père. Touche nos cœurs, Seigneur. Que ta parole qui est une sémence pénètre encore nos cœurs, Seigneur. Oh, porte du fruit éternel, du fruit qui demeure, notre Dieu. Tu reviens bientôt pour nous chercher. Le temps de jouer est terminé, mon Sauveur. Nous voulons nous accrocher à toi, tant bien que mal, mon Sauveur. Et nous savons que par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous tient par ta main éternelle, qui nous conduit dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, Seigneur, tu es notre bon berger. Ta houlette dans ton bâton nous rassure, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour l'amour que tu nous manifestes, Seigneur. Ce soir, tu es puissant. Ce soir, tu es présent. Ce soir, tu veux encore nous faire du bien. Oh, Seigneur, agis. Seigneur, touche encore nos cœurs. Que ton Saint-Esprit se meuve encore et confirme la parole de ton serviteur par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ouvre notre cœur, Seigneur, et nous recevons réellement ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, et nous serons éclairés, notre Père. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue, s'il vous plaît. Allons lire ensemble. Nous allons lire le psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Amen. La louange sied aux hommes droits. Amen. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Alléluia. Car il dit et la chose arrive. Amen.
Il ordonne et elle existe. Amen. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde Dieu des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Et Éternel, que ta grâce soit sur nous quand nous espérons en toi. Amen. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, descendance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta descendance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous sommes trouvés en cet endroit.
totalement et 100% à toi, Père. Et les membres de tes serviteurs, toi, le Seigneur, très Dieu. Béni sois-tu encore pour nos enfants, nos sauveurs. Merci encore pour cette grâce, mon Dieu, ce Père. De voir ton œuvre, de voir ta main, Seigneur. Ainsi, retracer l'enfant, mon béni, ta puissance. Oh, sois glorifié, sois remercié, béni, ta puissance. Pour cette grâce extraordinaire, mon béni, Père. Cet amour glorieux, mon béni, ta puissance. Louange et honneur à toi. Aide-nous à maintenir cet écart, mon béni, ta puissance. Et ta flamme brûle encore dans nos cœurs. Merci pour le chant et les cantiques qui sont portés devant ton trône de grâce, mon Père. Combien nous sommes heureux d'être dans ta maison à toi, Père, de servant de tout notre cœur. Bénis mon précieux frère Christian. Louange à toi, Père. Bénis le riche, mon Père. Nous te remercions. Pour ton onction, nous te remercions pour ta conduite encore, Père. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu. Pour que tu agis encore, mon béni, préserve-le, béni, Père. Nous rendons gloire à toi encore pour ce que tu fais. Pour que tu agis encore, mon maître, béni, Père. Notre cœur se repose sur toi. Ta grâce et ta bonté, Père. Ce soir, nous te disons encore combien nous t'aimons, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants aussi, pour nos bien-aimés frères et sœurs aussi. Elle écoute encore ce soir les différents endroits, les différents pays, Père, qui soient aussi bénis, mon bien-aimés Père Saint. Oh, en ton nom, mon bien-aimés Seigneur, nous te remercions pour tout, Père, car nous t'avons aussi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, vous pouvez vous asseoir. Certainement, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui dans ces lieux. Et pendant que nous chantons les cantiques, mon frère, comme disait, j'ai dit, Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta maison. Amen. C'est un endroit où nous nous sentons vraiment bien. Et c'est vraiment ici. Amen. Il n'y a pas un autre endroit où on aimerait en être. Alors que c'est beau d'être dans sa présence. C'est notre vie. Et nous le remercions pour cette grâce d'être à lui, de pouvoir réellement aussi le servir de tout notre cœur. Il nous a formé pour que nous puissions être ses enfants d'adoption, que nous servions réellement aussi à sa gloire, pour que dans ce monde dans lequel nous sommes, nous puissions être aussi des signes et des témoignages. Amen. Pour que les nations et les hommes, effectivement, qui aujourd'hui meurent sans connaître Christ, puissent avoir aussi la possibilité qu'avant de pouvoir traverser effectivement ce mur qui sépare de ce côté et de l'autre côté, puissent aussi avoir lieu à pouvoir entendre aussi parler de celui qui peut changer aussi leur vie. Amen. Nous remercions notre Dieu comme notre précieux frère pour la lu dans le livre de Psaume au chapitre 33, verset 22, il dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous, Amen. Comme nous espérons en toi. » Nous comptons sur notre Seigneur, nous comptons certainement sur sa grâce, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul pouvait le dire toutefois, non pas moi, mais dans 1 Corinthiens, je pense, au chapitre 15, et il nous l'a dit, et il était tellement reconnaissant au Seigneur. Je crois que c'est aussi le cas de tout un chacun de nous. Nous avons de la reconnaissance à l'endroit de ce Seigneur pour son amour à notre endroit, ce qu'il a fait pour nous. 1 Corinthiens, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et il dit ici, je pense que c'est au verset 7, il dit, de l'apôtre Paul, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, 1 Corinthiens 15, verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Nous le remercions de ce qu'il nous a accordé aussi, de pouvoir être bénéficiaires de cela, comme nous pouvons aussi le lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, où là, notre Seigneur le dit aussi d'une manière aussi claire pour que nous puissions être aussi conscients de la manière dont il nous introduit effectivement dans cette nouvelle dispensation, effectivement, où il dit ici au verset Ésaïe 9, 49, pardon, verset 6, il dit, se peut que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël,
J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en erreur au peuple, à l'esclave de puissants. De rois le verront et s'élèveront, de princes et se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. Amen. Et c'est cela ce que nous pouvons aussi réaliser pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur vraiment a fait pour nous et continue à pouvoir le faire dans 2 Corinthiens au chapitre 6, comme vous le savez, et afin que nous soyons aussi conscients que cela est quelque chose qui nous est donné et qui nous concerne effectivement aussi. 2 Corinthiens, je pense au chapitre 6, verset 1 et 10, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ici, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Combien nous pouvons être certains que ces jours dont les saintes écritures parlent effectivement, dont l'apôtre Paul a eu à pouvoir citer aussi, c'est bien les jours effectivement qui nous concernent aussi, et ce temps effectivement, comme la parole de Dieu l'a fait savoir, c'est le moment favorable, comme il a dit au temps de la grâce, effectivement, je t'exaucerai. Alors je voudrais que nous puissions juste prêter attention à cela et voir en réalité comment ce temps Dieu lui agit pour que nous puissions voir de quelle manière aussi les choses s'établissent effectivement et dans le plan de Dieu, comment effectivement les choses avancent aussi pendant cette période. Vous remarquerez que dans l'Écriture, le Seigneur a dit quelque chose ici, je voudrais lire avec vous dans Zacharie au chapitre 12. Zacharie au chapitre 12, je pense. C'est cela, oui, je pense. C'est cela, Zacharie chapitre 12. Je pense que c'est cela. Voilà. Zacharie chapitre 12 dit, vous lire à partir du verset 10. Je vais lire le verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10, dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier fils. » Donc, nous réalisons ici, effectivement, que dans le livre de Zacharie, le Seigneur dit, après cela, donc, alors, je répandrai sur la maison de David. Et là, nous pouvons prendre dans les scènes d'écriture, dans le livre des Actes, au chapitre 15, qui nous permet aussi de pouvoir réaliser ce qu'il a lire avec ce que nous venons de lire dans le chapitre 12 de Zacharie, ici, chapitre 15 des Actes, le verset 13, il dit, « Lorsque ils eurent cessé de parler, Jacques prit leur parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du bien d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accorde une parole de prophète, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute, effectivement, la tente de David, j'en reparlerai le ruine et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Amen. Amen. » Ce sont les Écritures que nous avons eu à pouvoir lire. Et nous remarquons quelque chose, effectivement, aussi de particulier, là, comme nous l'avons lu d'abord dans le chapitre, mon précieux frère a lu dans le livre des Psaumes, au chapitre 33, verset 22, effectivement, comme nous l'avons lu. Et puis nous avons vu, effectivement, aussi dans Isaïe 49, où le Seigneur, notre Dieu, donne, effectivement, une lumière beaucoup plus là, que nous avons vu dans 2 Corinthiens aussi, effectivement, même dans 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul se réjouissait de ce qu'il avait reçu
comme grâce, effectivement, de ce que cette grâce de la part du Seigneur, ce qu'elle faisait, effectivement, en lui, parce que il était conscient de ce que Dieu lui a accordé comme bénédiction, parce que cela, parce que de l'état dans lequel il était auparavant, quand il pouvait comparer maintenant l'état dans lequel il pouvait être aujourd'hui, il pouvait glorifier le Seigneur. Et il a compris que c'est quelque chose que le Seigneur avait fait pour lui, pour qu'il puisse être dans cet état-là. C'est pourquoi il criait, je le rends grâce effectivement pour la grâce qu'il m'a accordée. Et là, en lisant dans 1 Corinthiens au chapitre 15, nous connaissons l'Écriture, nous voyons qu'effectivement que c'est là qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puisque le Seigneur lui-même, l'Écriture lui dit qu'il a tourné les regards vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. C'est là que nous comprenons aussi effectivement que les nations ont reçu quelque chose pour lesquelles ils ne pouvaient pas dire que c'est parce que nous avons fait quelque chose. Non, il n'avait absolument rien fait. C'était que la grâce de Dieu qui s'est tournée simplement vers les nations. J'aime la parole de Dieu. Amen. Ah, Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, l'homme qui n'a pas Christ dans sa vie est le plus malheureux. Amen. Il n'y a de bonheur que dans cet homme de Galilée. Et la Bible va plus loin et nous dit que toute la plénitude, et tout ce qui est dans les cieux, tout a été créé par lui et tout subsiste en lui. Alors si j'ai cet homme-là, alléluia, j'ai possédé tout. Parce que Jésus est la grâce de Dieu pour les hommes. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc là nous voyons qu'effectivement que il s'est passé quelque chose, c'est que ces hommes pour lesquels, effectivement, Dieu leur avait accordé aussi de pouvoir recevoir cette grâce. C'est vrai. Parce que ces jours-là, Pilate a posé la question, souvenez-vous. Même la femme de Pilate a dit à Pilate, ça n'a rien à voir. Cet homme-là est un saint. Les autres-là sont des religieux, mais ils ont un esprit pour pouvoir détruire cet homme. Il n'a rien fait, il est juste, il est saint. Et toi, ne rentre pas dedans. Vous vous souvenez? C'est pourquoi il s'est tenu là en disant, mais voici ici, j'ai Jésus qu'on appelle le Christ, et là, j'ai Barnabas, effectivement, que vous savez très bien, le meurtrier, le voleur, ainsi de suite. Il dit, mais bon, lesquels de ces deux voulez-vous que je puisse relâcher? Et je pense que vous êtes quand même conscient que cet homme Pilate, dans son état dans lequel il était en tant qu'un homme de nation, un païen, mais qui était effectivement dans un pays où il savait qu'on priait Dieu. Et que quelqu'un qui prie Dieu, il ne peut pas avoir le désir de pouvoir tuer. Et alors il se disait, mais et puis c'est Jésus, j'avais entendu parler du bien qu'il a fait à tout le monde. Et étant dans cette situation pour me débarrasser de ces religieux qui veulent me coincer, je vais me tourner vers le peuple. Et je suis sûr et certain que le peuple dira Amen à Jésus. Donc 100%, il était convaincu que ici, ben, j'ai trouvé mon échappatoire. Et voilà qu'il s'est dit, mais vous connaissez quand même Barabbas, c'est un meurtrier, cet homme, il est mauvais. Mais Jésus, il vous a fait du bien. Alors, voici maintenant, lesquels voulez-vous que je vous relâche? C'est là qu'il a été surpris. Donc, quelle surprise, effectivement, venant d'un peuple qui est un peuple de croyants. Venant d'un peuple vers qui, effectivement, c'est Jésus a fait du bien, mais tous les jours, il leur a fait du bien. Frères et sœurs, on oublie rapidement les biens que les gens ont fait. Quand le mal ou la colère te saisit, tu oublies que quand tu étais dans le besoin, ce frère ou cette sœur-là était aussi à genoux pour toi. Mon frère et ma sœur, l'ingratitude, que l'ingratitude ne fasse pas partie de nous. Mais que la reconnaissance, même quand tu t'assieds, effectivement, ben, même si on te dit, il a fait ou il t'a fait, il te dit, mais rentre un peu en toi-même. Moi, quand j'étais dans le besoin, lorsque j'ai cherché à gauche et à droite, je n'ai pas trouvé quelqu'un, mais Dieu a saisi quelqu'un pour venir à mon aide. Il dit, mais jamais, frère et soeur. Tu sais, la reconnaissance est quelque chose qui tient à cœur de Dieu. Amen. Amen. Les dix lépreux, vous vous souvenez? Amen. Ils ont tous été guéris, les dix lépreux. N'est-ce pas vrai? Amen. Quand ils se sont retrouvés sur le chemin, ah, j'ai dit, moi j'avais une peau comme ça. Je suis maintenant bien, ils ont couru pour dire, voilà ce que nous sommes d'ailleurs, c'est que nous avons fait, parce que nous avons fait nos efforts, nous sommes arrivés à être comme ça. Mais souviens-toi que quand tu es dans le besoin,
quelqu'un prier pour toi. Amen. Parfois, quand on est pote avec un frère, priez pour moi. On a prié pour toi. Mais quand on vient pour remercier les Seigneurs, alors on voit comment les gens rendent témoignage. Et peut-être la partie où le frère oubliait pour moi, c'est un peu oublié. Oh, quand j'étais dans le problème là, j'ai cherché la face de Dieu, Dieu a entendu ma prière. Gloire à Dieu. Vraiment, j'ai prié Dieu, Dieu même, que son nom soit béni. Alléluia, j'ai un cantique. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que quand tu as ses besoins, ses frères et ses soeurs, Amen. Ils ont prié pour toi. Amen. Même tu as même oublié, mais pendant que tu t'en es voir, ils pensaient à toi. Amen. Donc quand tu viens, rends ton témoignage. Dis Seigneur, merci. Alléluia. Tu m'as donné des frères et des soeurs. Amen. J'ai déposé ma requête. Ils ont prié pour moi. Amen. Donc sois reconnaissant. Amen. Réellement que Dieu l'a fait aussi parce que l'un ou l'autre a prié pour toi. Et ils sont partis, il a dit le preuve. Hein. Vous savez, tous, quand ils ont vu qu'ils étaient bien, guéris, tout ça, ils sont rentrés à leurs affaires. Mais il y en a un en marchant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il s'est regardé, il dit. Il dit, mais qu'est-ce que tu attends? Mais viens avec nous, tu vois, maintenant on peut porter des bons costumes, on peut aller faire ceci, c'est dit. Ah, dit. Il dit, je me souviens. Alléluia. Que vous et moi. Vous étions là-bas, personne ne voulait même s'approcher pour nous serrer la main. Vous étions des contagieux, d'ailleurs déjà interdits de la ville. Amen. Mais cet homme-là, alléluia, c'est Jésus-là, quand tout le monde nous avait abandonné, même pas s'approcher de nous, qui n'a pas eu peur de s'approcher de nous. Amen. Alléluia. Il dit, vous pouvez oublier, mais moi non. Amen. Je sais d'où je viens. Amen. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Je dois. Vous savez que le Seigneur regardait la scène. Les gens pensaient qu'il ne savait pas. Mais il sait. Il était loin. Mais il savait ce qu'il est Dieu, frère. Amen. Il savait ce qui s'est passé dans le cœur du 10. Amen. Et de ses 9e, mon frère, ma soeur, même si tu es seul, Amen. Sois toujours reconnaissant à Dieu. Amen. Pour ce qu'on a fait pour toi. Amen. Ne dis pas oui, personne n'a rien fait. Non, monsieur. Amen. Les frères et les sœurs ont fait pour Amen. Toi. Pourquoi l'ont-ils fait? À cause de la parole de Dieu, Amen. De l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu tournes les dos. Tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas demain dire, on ne savait rien. Non, monsieur. Au jour du jugement. Tu vas pas quoi? Amen. Parce que regardez bien comment le Seigneur est regardé. Et puis, si vous remarquez bien l'écriture, ils sont tous partis. Et puis, lui, celui-là ne se rendait pas compte que, comme ça le travaillait, les yeux du Seigneur étaient bien sur lui. Amen. Quand vous vous occupez des choses qui concernent Dieu, mon frère et ma soeur, même dans votre souffrance, vous êtes en train de voir pleurer, Dieu a le regard sur vous. Amen. Savez, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Corneille, lui, mais ça ne savait vraiment pas, ça ne rendait pas compte, effectivement, que Dieu voyait tout ce qu'il faisait. Amen. C'est vrai, frères et sœurs. Amen. C'est ces jours-là, quand l'ange est apparu à Corneille, effectivement, il dit, mais Corneille, dans la vision, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées à Dieu. Donc cet ange, il dit, non, donc tout ce que je faisais là, donc Dieu voyait quand même. Amen. Et là, maintenant, cet homme ici, pendant qu'il était là, il a repoussé le chemin. Regardez, il est retourné vers le Seigneur pour lui dire merci. Reconnaître effectivement ce que le Seigneur a fait pour lui, sa vie qui était une vie qui était perdue. Maintenant, il a retrouvé sa vie. Le Seigneur regarde tout le monde, effectivement. Il me dit, mais combien de lépreux y avait-il qui ont été guéris? Vous vous souvenez, non? Et combien sont-ils revenus? Parce que frère et soeur, si Dieu l'a dit, c'est que la reconnaissance à l'endroit de Dieu, mon frère, est quelque chose de très important. Amen. Très important parce que si Dieu a utilisé ton frère, ta soeur, dans une circonstance, d'une manière ou d'une autre, n'oublie jamais. C'est parce que celui-là, Dieu, s'il l'a utilisé, c'est parce que ça a été un vase que Dieu avait pris dans sa main. Parce que ce n'était pas l'homme. Je voulais Dieu dans l'homme parce que Dieu voulait faire quelque chose pour toi. Et puisqu'il a utilisé ses bases, effectivement, il savait pourquoi. Amen. Donc, toi, sois reconnaissant aussi à Dieu pour les vases qu'il a utilisé pour toi. Amen. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu dis à Dieu, il n'est pas nécessaire de le faire. Mm-hmm.
Mais c'est vrai. Amen. Tu es su dire, ce n'était pas nécessaire. D'ailleurs, moi, je pouvais le dire. Mais pendant ces temps-là, tu pleurais. Tu étais sans secours. Mais Dieu est venu, Seigneur, secours-moi, effectivement. Il est venu à ton secours. Amen. Vous n'avez jamais réalisé, frère et sœur. Je vais peut-être revenir rapidement. Vous n'avez jamais réalisé, frère et sœur. Les enfants d'Israël, dans, en Égypte, ils pleuraient, frère, parce que Pharaon avait augmenté les souffrances, effectivement. Ils pleuraient, parce que Dieu a dit, mais j'ai entendu les cris de mon peuple. Ces gémissements, ces souffrances, effectivement, ils voulaient la délivrance pour que Dieu fasse quelque chose pour eux. Vous vous souvenez, non? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, mais j'ai entendu. Ils ont crié à moi. J'ai entendu. J'ai vu la souffrance. Il veut la délivrance. Je suis descendu. Amen. Il a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Amen. Moïse est parti. Lorsque la délivrance a été accordée, ils sont sortis avec joie, non? Amen. Maintenant, arrivés devant la mer Rouge. Vous vous souvenez? C'est ça que mon cœur, même moi, je suis un homme, je suis aussi mauvais, frère et soeur. Je dis, mais c'est quand même pas possible. Ce peuple vient de sortir de l'esclavage, il pleurait que Dieu le libère. Arrivé devant la mer Rouge, il commence à dire, il n'y avait pas des oignons. Frère, c'est vrai que je dis, mais il y a quelque chose qui dit, mais il n'y avait pas des oignons en Égypte. Et en Égypte, il n'y avait pas. Là-bas, c'était, on les traitait comme des chiens. Et il cria à Dieu, et Dieu les a délivrés au lieu d'être reconnaissant à Dieu. Il dit, mais en Égypte, nous étions bien. Et c'est comme cela. Oh, mes frères, d'ailleurs, il ne fallait même pas le faire. Dieu l'a fait pour toi, par ses frères et ses soeurs. Il dit, mais de toute façon, parce que ta situation a changé, non? Vous comprenez? Et puis maintenant, pour l'orgueil, te montre effectivement, parce qu'il avait fait quelque chose pour toi. Tu dis, mais de toutes les façons, il a fait. Bon, il a fait. C'était dans les passes. D'ailleurs, ce n'est même pas nécessaire. Mais quand tu as le besoin, c'était nécessaire. Regardez ce que Dieu fait. Ce peuple-là, devant la mer Rouge, ils ont murmuré. Vous vous souvenez? Dieu a ouvert la mer Rouge. Si vous regardez dans les Saintes Écritures jusqu'au bout, vous verrez qu'ils ne sont jamais, jamais rentrés dans la terre promise. L'ingratitude, mon frère et ma soeur, ne pas être reconnaissant, ça te conduit à l'incrédulité. Bien sûr, quand tu es. Imagine, ils sont sortis, mais ils ont dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Nous étions esclaves, là-bas, tu l'as fait sortir, tu ne vas pas nous laisser en chemin. Amen. Si tu l'as fait sortir, nous t'en sommes reconnaissants. Amen. Dieu, frère, Dieu est capable de faire de merveilles. Amen. D'ailleurs, il l'a fait. Amen. Il envoie la mer Rouge. Amen. Et ils sont passés. Et puis il dit, mais. Et puis le Seigneur se tourne et dit, mais où sont les 9 autres? Et puis il dit, n'y a-t-il eu seulement que ce Samaritain. C'était un Samaritain. Ce Samaritain. Qu'il soit revenu pour pouvoir rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Vous savez que les Samaritains, ce n'était pas des Juifs. Les Samaritains, c'était des gens que les Juifs considéraient comme étant des rien du tout, des chiens. Vous savez d'ailleurs, quand on a lu dans le livre de Jean, chapitre 4, la femme samaritaine. Amen. D'ailleurs, il n'y a rien entre vous et nous, les Juifs. Non, c'était des rébus. Les Juifs étaient un homme qui était orgueilleux en soi-même de ce qu'il a dit. Moi, je suis la poussée d'Abraham, fils d'Abraham, et c'était ainsi. Donc, le peuple de Dieu. Et voilà que quand Pilate a dit cela, ils ont fait leur choix, ils ont choisi effectivement Barnabas. Et en rapport avec Jésus qu'on appelle le Christ, ils ont donc décidé de. Parce que. Pilate a posé la question, puisque bon, vous avez choisi Barnabas. Vous avez laissé Jésus le Christ. Il a posé la question à ce peuple-là. Bon, vous avez choisi Barnabas. Qu'est-ce que moi, je vais faire maintenant avec ce Jésus qu'on appelle le Christ? Vous savez, Dieu est vraiment extraordinaire dans sa façon. J'ai toujours répété cela, mais c'est toujours extraordinaire. Vous avez entendu comment ce monsieur, cet homme, a dit au peuple, qu'est-ce que moi, je dois faire avec ce Jésus? Parce que vous savez que même sur l'écriture, Jésus, le roi, pas des païens, le roi des juifs. Amen. C'était comme ça, non? Amen. C'était le Messie qui était envoyé. Mais qu'est-ce que moi, je dois faire avec ce Jésus? Parce que il vous a
a été donné, c'est Jésus. Je vous ai présenté Barnabas ici avec ses Jésus. Vous le savez bien, il a été bon avec vous. Vous le savez, Barnabas n'a rien jamais rien fait pour vous. Lui, il l'a fait pour vous. Vous avez choisi Barnabas pour qu'on relâche. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce Jésus? La sentence ne devait pas venir de Pilate. La sentence devait venir du peuple. Qu'est-ce que vous voulez que moi, je fasse avec ce Jésus? La réponse était claire. Qu'il soit quoi? Crucifié. Donc, c'est le peuple. Et puis il a ajouté, que son sang retombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. Ce que toi tu dis, ce que tu prononces dans ta bouche, tu entends. C'est ce que tu veux, non? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est comme ça qu'on a conduit à Golgotha. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Ils l'ont donc rejetée. C'est comme cela que, puisque on n'en veut pas, Dieu ne peut pas s'efforcer à ce que tu l'acceptes. Non, il ne va pas dire, mais je veux que tu me... Non. Il te présente la chose. C'est ta droit de voir trouver plaisir dans ce que Dieu te dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Il est venu effectivement pour... Il a même démontré combien il était bon, il a guéri, il a sauvé. Frères et sœurs, parfois nous les hommes, nous avons un mauvais cœur. Même jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, vos cœurs ne changent pas. Amen. Combien l'évangile vous l'avez entendu? Cette parole, vous l'avez quand même entendue? Combien de fois? Mais même étant ici, sœurs, frères, vos cœurs, je les sens. C'est qui? Mais c'est la vérité, frère. Étant ici, sœur, là où vous êtes assis, je sens ce que vous êtes dedans. Et c'est ça qui fait mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est pas possible. Et c'est vrai. C'est la vérité. Je vous dis 100% vrai. Le vôtre, là, ici, où je suis. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Ils l'ont rejeté. On ne veut pas s'efforcer à dire, bon, aimez-moi, nous. Et là, on l'a envoyé, c'est où c'est? On l'a envoyé pour qu'il soit mis là-bas sur cette croix, il n'a pas refusé. On l'a fait porter la croix, il n'a pas refusé. Parce que c'est ce que le peuple voulait. Parce que nous n'avons pas besoin de toi, voilà ce que nous voulons de toi, c'est ça. Donc ce que nous pouvons faire, et même dans la Odyssée, il ne force personne, hein? On l'a complètement chassé. Et vous le savez, frère et soeur. Et il est où? Il est dehors. C'est vrai, non? Amen. Et c'est dehors-là, il frappe. Et il dit, mais si quelqu'un entend ma voix. Vous savez, parfois, ça donne envie de pleurer quand Amen. On peut voir cette scène. Donc, le maître de la maison, il est dehors, il supplie. Il dit, mais si quelqu'un entend ma voix, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est à lui quelque part. Amen. Là, à l'intérieur. Il continue à pouvoir frapper. Il est dehors. Projeté, effectivement. Il ne force pas. C'est comme ça que, puisque, étant maintenant rejeté, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tourné le regard vers les nations. Quand il a tourné le regard vers les nations, c'est à ce moment-là aussi qu'il est venu. Il est vraiment parfait. Il est le Dieu du ciel. Il est l'alpha et l'oméga. Mon frère et ma soeur, rien ne lui échappe. Et avec Dieu ne peut pas échouer. Il le savait que le juif le rejetait. Mais puisqu'il savait cela, parmi les nations, il avait sémé sa propre semence. Là-bas, on le rejette. Il savait que de l'autre côté, il y en aura de ceux-là qui allaient le recevoir. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu ne fait rien pour rien. Il sait. C'est toi qui penses qu'effectivement Dieu est plus intelligent que Dieu. Non, monsieur, avant même que tu penses à quelque chose, il le savait. Lorsqu'il s'est tenu là, quand on parlait, et, voici donc Barnabas, voici Jésus, il connaissait son sort.
Amen. Il le savait avant même que Pilate puisse seulement poser la question. Oh, que Dieu soit béni. Il le savait, frère. Et pendant qu'il est. Oh, que son nom soit béni. Amen. Pendant qu'il était là, la tête baissée comme cela, il te voyait toi. Amen. Il savait que dans les nations tu étais, mon frère. Amen. Jusqu'à là, tu as béni, il nous a tous vus. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, rien ne pouvait lui échapper. Amen. Oh mon frère et ma soeur, il est le commencement et la fin. Amen. Tout est en lui. Amen. Donc il sait. C'est pourquoi, c'est sûr et certain. Quand il priait, il le savait. Il dit, mais Père, ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Mais toi, tu me les as donnés. Il était confiant quand il parlait, effectivement. Il disait, mais les autres sont partis. Pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Pourquoi vous accrochez à moi? Partez aussi. Pourquoi vous restez? Jean 6, vous souvenez, non? Amen. Il était sûr et certain. Il a dit, mais oui, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je n'ai pas fait un choix par hasard. Je vous connaissais. Ils étaient à toi, Père. Chapitre 10, c'était la Bible. Et toi, tu me les as donnés. N'est-ce pas vrai? Amen. Sûr et certain. Et dans le Saint-Esprit. Bien plus loin encore. Alors que Israël le lisait. La Bible, non? La Torah dit, mais. J'avais dit que j'appellerais mon peuple. Celle qui n'était pas Alléluia. Mon peuple. Et j'appellerais bien-aimé. Oh. Celle qui n'était pas bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible, mon frère et ma soeur, est une richesse. Alléluia. Oh frère, c'est. Nous avons la grâce parce qu'en tant que peuple de Dieu, il nous a ouvert les yeux. Amen. Ce que les autres peuvent lire comme un livre comme ça. Nous avons les yeux de l'aigle pour pouvoir voir effectivement les choses qui sont actuelles et dans lesquelles nous y trouvons aussi, nous aussi, dans ces choses-là. Cela fortifie notre foi parce que la Bible dit que vient, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai dit, mais je me laisserai trouver par celui qui ne me cherchait même pas. Amen. Je crois que c'est dans les 65 quelque part. Vous connaissez l'écriture, non? Amen. Donc, effectivement, c'est là qu'effectivement, que vers les nations, dont Israël disait que. Il dit, ceux-là sont des maudits, il faut ne faire absolument rien. Sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans même protester, étrangers aux alliances de Dieu, effectivement. Il dit, mais ceux-là, ils meurent, effectivement, c'est un enfer. Donc, il dit, on ne le touche même pas, parce que si tu entres chez eux, tu es souillé. On est. Vous vous souvenez? Mais quelle surprise de voir qu'on l'a rejeté par là et il s'est tourné vers ceux qui ne les cherchaient même pas. Amen. Et quelle grande surprise que lorsqu'il s'est présenté aussi à eux, quelque chose s'est passé en eux. Amen. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul disait? C'est à vous premièrement. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais puisque vous considérez comme indignes à la vie éternelle, vous insultez effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous nous tournons vers les païens. Amen. Acte 13, je crois, vous regardez bien. Acte 13, vous pouvez lire avec vous. Verset 41. Oui, je vais poursuivre le verset. La première partie. Le verset 44. Vas-y, verset 41, je vais lire. Voyez-vous, maintenant, je vais lire un peu beaucoup. Verset 36. Verset 37. Verset 32. Il dit, acte 13, verset 32, il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est là. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui était dit dans le psaume 2e, Dieu mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont donc assurées, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui
que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Voyez-vous, moi être là, assis en attendant cela, frères et sœurs, mon âme, vous savez, jubilerait déjà. J'ai dit par lui, rien qu'en croyant en lui, et que je serai pardonné, non seulement pardonné, mais encore justifié. Amen. Parce que justifié, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Amen. Hey, mais j'ai sauté. Oh, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Et entendre ça, rester vraiment. Non, 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 non. Donc, ça nous montre que nous sommes passés de l'exploitation de la loi à la grâce divine de Dieu. Que Dieu justifie un homme comme moi par le fait simplement de croire en ce Jésus. Oh, alléluia. Frère. Non, frères et sœurs. Que l'homme comprenne effectivement l'importance de la grâce de Dieu. Amen. Ce que je n'étais pas capable de faire. Il m'a rendu capable. Alléluia. J'étais incapable d'aimer quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Et aujourd'hui, il m'a rendu capable. Amen. Cette capacité ne vient pas de moi. Non. Parce que la Bible dit, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Donc son amour, oh Jésus mon roi, s'est déversé en nous pour que maintenant nous puissions nous aimer. Amen. Avant, je ne pouvais pas supporter frère Jonas. Enfin, je ne l'appelais même pas frère, c'était un monsieur. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un monsieur, c'est mon précieux. Amen. Donc, quand je le regarde, j'ai dit, Dieu du ciel, j'étais loin, je ne savais pas que j'avais un précieux frère. Amen. Le mien que tu m'avais donné. Amen. Mais c'est la vérité, j'ai toujours dit, frère et soeur, le véritable frère, ce soit avec ta famille, c'est bien celle-ci. Amen. 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 Alléluia. J'aime bien les alléluia là qu'il faut. Amen. Il faut trembler le pied. Alléluia. Je ne connaissais pas mon frère. Je ne connaissais pas. Mais à cause de ceci. Amen. Oh, moi qui étais aveugle. Quand je voyais frère mon salut, je dis, mais ce monsieur-là, il est. Non. Mais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu. Amen. J'ai dit, Dieu m'a donné mon frère. Amen. Il était là-bas, ici, je ne le connaissais pas. Amen. Mais il m'a ramené de là-bas dans la foi. Que je vois, mais ce n'est pas un Sicilien, mais c'est ton frère à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime cet homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, il brise les murs, il a fait ses limites, il a mis les séparations, il a brisé cela. Amen. Et maintenant, on peut voir de notre côté. Amen. Il dit, mais le voici. C'est vrai, frère. Alléluia. Ah oui, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni chrétien. Tous sont un en Jésus-Christ. Amen. Alors, grâce pour nous. Et oh, que c'est merveilleux. Amen. Comment ne pas louer Dieu. Amen. Alors, c'est pour ça que quand j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'il est bon d'être Amen. Ici. Amen. Dans un endroit comme ça, où le cœur est là, mais il dit, mais où voudrais-tu que je sois, mon sauveur? Ailleurs, il n'y a rien de bon. Amen. Ici, j'étais malade au pied, maintenant je suis bien. Amen. C'est vrai. Amen. Oh, vous ne pouvez pas réaliser, frère. C'est tellement glorieux. Amen. Avoir ce Jésus, c'est notre vie. C'est ce que, il n'y a rien qui soit important pour nous. Amen. Il m'a donné des soeurs. Amen. Il m'a donné des frères. Amen. C'est un bonheur quand vous le révélez du Seigneur. Ceux-ci sont à moi aussi. Amen. Oui, ils sont aussi à toi. Amen. J'étais sans frère et sans soeur. C'est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas réaliser Amen. Cela. Amen. Mais aujourd'hui, quand je peux réaliser, Seigneur, maintenant, tu m'en as donné. Amen. Comment ne pas glorifier Amen. Ce Seigneur? L'adorer, frères et sœurs, je ne sais pas comprendre comment vous pouvez avoir un cœur endurci à cet endroit. Notre cœur devait être un cœur joyeux. Amen. Être là, mais même quand on a un problème. Oh, oui. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Nous venons ici, Amen. Nous nous mettons à genoux. Amen. On priera pour le problème de mon frère et à ma soeur jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Amen. Parce que sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas reculer, non. Mais avancer avec Amen. Nous. Si nous avançons, effectivement, quand tu faiblis, nous te tenons aussi. Amen. Mais quand tu t'éloignes, comment veux-tu? On ne peut pas t'efforcer. Mais reste avec nous. Amen. Reste dans le rang. Amen. Quand tu faiblis, on te tient. Amen. Et c'est vrai, ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Amen. Amen. C'est vrai, Amen. Mon frère. Amen.
L'ennemi cherche toujours celui qui se tient à l'écart. C'est la vérité. Quand tu vois que nous sommes tous ensemble, aïe, si tu touches là, celui-là va agir. Et puis il a son frère à gauche et à droite. Il ne faut pas toucher parce que là, on est en deux. C'est les grands ennemis. Amen. Cet amour en Christ nous soude encore davantage. Amen. Parce que la Bible dit qu'ils étaient tellement liés et unis que personne n'osait se joindre. Amen. C'est tellement si fort et que nous continuons rapidement. Allez, lui. Verset 37. Or, David, après avoir en son temps servi donc au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses frères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. C'est donc comme frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, donc vous pouvez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi donc, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Parce qu'il y a aussi une parole qui doit s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qu'il dit donc? Voyez-vous les arrogants, soyez donc étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Frère, les Juifs ne peuvent jamais penser que Dieu, le Dieu, parce qu'il est le Dieu d'Abraham, pouvait devenir le Dieu des nations. Amen. Mais or, Dieu avait dit, Amen. En toi, Abraham, Amen. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. C'était caché, voilé. Alléluia. Oui, mon frère. Il pouvait les lire, mais il ne voyait rien. Amen. Mais parce qu'il y avait une sémence qui devait venir. Alléluia. Amen. Dieu savait Amen. Que Israël le rejetterait. Amen. Il avait un peuple. Alléluia. C'est pourquoi quand il y a crié, il dit, mais je suis le seul, il dit non, non. Alléluia. Amen. Non, non. Amen. Non, non. Amen. Je m'en suis réservé. Amen. Amen. Il est Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi si vous ne voulez pas le chanter, oh, si vous ne voulez pas le louer, oh, il dit jamais, Amen. Je m'en suis réservé. Ceux qui loueront, ceux qui chanteront, parce qu'on dit, oh, ils chantent vos frères et sœurs, chantons. Amen. Les gens, non, gloire à Dieu, non, monsieur, gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur, frère, quand nous avons la vie, les choses sont différentes. Amen. Nous ne voulons pas adopter les rythmes des morts. Non, monsieur. Parce que Christ a fait quelque chose à moi. Amen. Je ne vois pas que Paul est mort. Les murs de Jéricho sont tombés. Et puis les portes sont tombées. Non, monsieur. Il louait Dieu. Amen. Mais c'est vrai, frère. Amen. Avec tambourin, avec danse, c'est écrit. Amen. Il louait Dieu avec force, effectivement. Amen. On ne voyait pas que. Non, les trompettes étaient assez fortes. Amen. Mais le mur de Jéricho, c'est vrai, frère. Il met pousser les cris. Amen. Nous aimons louer Dieu. Amen. Si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, on va le faire où? Nous n'avons pas l'esprit de nation. Non, nous n'avons pas l'esprit de la Belgique. Non, monsieur. Non. L'esprit des Américains. Non, monsieur. Non. L'esprit des Canadiens. Non, nous avons l'esprit de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne chantons pas comme les Africains. Non, non monsieur. Amen. Nous chantons comme le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Amen. C'est nécessaire. Amen. Vous savez, c'est quand j'étais parti là-bas, j'ai entendu ça en anglais. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi. Amen. Il chantait là-bas en anglais aussi. Alléluia. J'ai dansé comme David. Amen. C'est vrai. Amen. David a dansé. Amen. David a glorifié Dieu. Amen. Nous devons être conscients. Frères et sœurs, c'est le temps où Dieu est en train d'agir. Amen. Dans ceux qui sont à lui, on doit sortir du camp. Amen. Et se mettre dans la présence du Seigneur. Quand il a fait traverser le Rubicon, quand il a fait traverser la mer Rouge, effectivement, qu'est-ce que Myriam a fait? Alléluia! Alléluia! Il a saisi son tambourin. Alléluia! Il a commencé à louer Dieu parce que quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, Alléluia. C'est l'adoration de Dieu. Amen. Vous, vous trouvez normal que quand vous êtes dans le monde, effectivement, on va dans le bois de nuit. Vraiment. Là, là, la musique, là, des. Vous connaissez, ça monte là. Peut-être comme ça. Non!
tu oublies même que tu avais, je ne sais pas, mais tu sautes. Dans les, on voit même si tu n'es pas dans le ciel, comment ça fait. Et on voit monsieur qui s'est. Mais oui, parce qu'il est dans l'esprit de la chose. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et puis, vous venez dans l'assemblée de Dieu, évidemment. Nous chantons comme on Ave Maria. Et j'ai entendu Ave Maria. Donc là, effectivement, on est spirituel. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen, amen. Frères et sœurs, je pense que nous sommes censés pouvoir être dans l'Esprit de Dieu amen. Et nous laisser conduire. Amen. Quand c'est quelque chose de charnel, on sent que c'est charnel. Amen. Alléluia. Quand c'est spirituel, frère, vous pouvez juste regarder une chose. God bless you, sister. Vous pouvez juste regarder une chose, frère. Regardez ces enfants. Alléluia. Frère, c'est, non. Vous savez, vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, frère, chaque jour, quand je pense, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ces enfants, vous ne réalisez rien. Frère, vous entendez comment ils chantent? L'autre fois, je pense, c'était ma fille qui était assise là-bas. Elle me dit, c'était dimanche passé, je pense. Elle venait dans mon bureau, elle s'assied en face de moi. Elle me regardait comme ça pendant que j'étais là. J'étais assis. Et puis, elle m'a dit, mais j'ai un témoignage. J'ai dit, vous voulez te parler? Moi, je dis, oui, je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Elle me dit, c'est parce que, il dit, mais parce que tu es assis là. Moi, je dis, oui, je suis assis là. Il dit, mais tu vois les enfants, ils sont qui chantent? Je dis, oui, je vois les enfants qui chantent. Alors, mon cœur commence à faire, doum, doum. Je dis, j'écoute. Alors, il dit, tu vois comment ils se mettent? Je dis, oui. Il dit, mais je crois que je vais demander je vais prendre les films qu'on a filmés, je vais placer sur YouTube, je vais les mettre en don, comme ça tu vas voir vraiment quand tu vois les chiens. Dis-moi ce qu'il y a. Il dit, mais ah, tu vois, Gaël. Il me dit, j'étais assise là-bas, je regardais. Et je vois comment tout chante. Et tout d'un coup, je regardais cet enfant, Gaël. J'ai dit, mon Dieu, quand il a commencé à chanter. C'était plus le papier qu'elle disait. On dirait que les chansons sortent d'Anne Gaël. La voix de cet enfant. Il dit, j'étais là, je veux pleurer. Il dit, Seigneur, mais mon Dieu, cet enfant. Il dit, mais la voix d'Anne Gaël, là, quand elle chante avec le tribunal. J'ai dit, mais. J'ai dit, mais. Ah. Et alors, il me dit, vous savez, il dit, je ne sais pas ce que je peux faire. Je dois amener, faire des courses, en fait, pour aller faire des courses. Ah, j'ai dit, mais tu veux faire quelque chose pour les enfants? J'ai dit, je croyais que j'étais le seul. On disait que moi, j'ai dit, mais maintenant toi aussi, je sens dans mon cœur. Tu sens quoi? Tu veux faire quelque chose? J'ai dit, maintenant tu commences à comprendre. Donc, frères et sœurs, ce que nous vivons, un jour, vous vous en souviendrez. Amen. C'est l'Esprit de Dieu amen. Qui vous témoigne effectivement que Dieu est à l'œuvre. Amen. Prenant des enfants à leur âge. Amen. Vous avez entendu comment ils chantent. Amen. Les cantiques les plus difficiles. Amen. Mais ils n'ont pas fait. Les voix sont harmonisées amen. En eux. Non, frère. Mais c'est la vérité, frère. Amen. Comment ne pas glorifier Dieu et dire Seigneur merci. Amen. Parce que là, on voit. Et Dieu vient de nous. Amen. Ces enfants, ce n'est pas comme si on le forçait, non, eux-mêmes. Amen. Et ils arrivent là aussi respectés. Ils nous ont dit, Seigneur est de nous. Amen. Ils répètent tout seuls leur cantique, mais avec détermination. Amen. Il y en a de ceux qui pourraient aller encore, il faut forcer, mais eux non. C'est leur chorale, ils ont leur carnet. Il faut voir quand ils chantent comme moi. J'ai envie de me lever, c'est extraordinaire, frère. Amen. Vous ne voyez rien. Mais un jour, quand vous verrez, ça va être trop tard. Il faut que nous puissions glorifier Dieu. Amen. De la grâce que nous avons. Et vous voulez maintenant que ces enfants, je dis, écoutez, il faut que vous chantiez Ave Marie. C'est l'Esprit qui les conduit. Amen. J'ai toujours dit, mais vous ne les dérangez pas. Amen. Vous ne mettez pas, voilà, on va mettre à dos, laissez-les. Amen. Non, on leur dit, le Seigneur qui a poussé, amen. Il va condamner les voix. Amen. Ils sont là seuls. Hein. Amen. Et les voix sortent. Amen. C'est pourquoi j'ai dit prions pour que Dieu les aide. Amen. Que la flamme continue encore davantage. Amen. Que, parce qu'il faut que nos yeux s'ouvrent pour qu'on voit l'action de Dieu. Amen. Afin que nous soyons reconnaissants. Dis Seigneur, si tu fais ça à nos enfants, amen. C'est aussi pour nous instruire. Amen. Nous qui sommes là comme ça, il faut que quelque chose se passe. Amen. Nous voulons ces enfants, vous rendez compte, frères et sœurs. D'abord, ils viennent à l'école du dimanche. Le dimanche matin. Vous arrivez toujours en retard. Vous savez, devant Dieu, vous êtes coupable. Le matin, très tôt, l'école du dimanche, ça commence. Quand je fais l'école du dimanche, paf, après,
Répétition. Et quand la réunion commence ici, ils viennent là. Mais chaudement, avec joie, ils se mettent là. Et ils chantent des cantiques. Vous arrivez quand? Vous arrivez après, hein? Mais c'était déjà depuis le matin. Mais regardez la joie qu'ils ont de chanter. Et mes parents, jusqu'à la fin de la réunion, sont toujours là avec vous, tout le monde. Quand je vois des gens, on prêche ici, ils s'énervent, ils sortent pour donner l'impression, hein, on n'en a rien à faire ici. Vous pensez que ça peut me faire? Je dis, mais si vous sortez, vous allez. Allez-vous-en. Monsieur, dans la maison de Dieu, toi tu viens, une dame là qui me montre, qui bon, je suis fatigué, ils sont longs. Mais quand tu vas regarder des santé, tu peux rester pendant 10 heures. Et ici on parle de la parole de Dieu, et tu veux me montrer que non, tu es snob. Ici, il n'y a pas de snob. On n'a pas besoin de ton snobisme ici, que moi, snob, moi, je saurais, et comme ça, on va dire, il me dit, tu sors, va-t'en. Ici, nous avons besoin des gens qui ont besoin de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a besoin, dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et quand il devient frère. Amen. Et alors, ensemble, effectivement, frère, nous étions le nombre de gens qui, quand, moi aussi, quand, à l'époque, j'allais dans une assemblée, j'ai m'asseyé, j'ai dit, oh, moi, dans le lieu où j'habite, quand je vois ici, oh, c'était Dieu qui a dit ça. Amen. Le jour où j'ai été touché par ces dieux, je pleurais. J'ai dit, mais ces gens dont je méprisais, alors que Dieu était avec eux. Amen. Merci, monsieur. Amen. C'est une grâce. Alors, il dit, verset 14, voyez-vous donc l'arrogance, soyez étonnés, disparaissez, quand je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas sur, on vous la raconte. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. C'est merveilleux, non? Quand nous, on peut voir cela, vous vous rendez compte que les gens se rassemblent pour d'abord dire, mais nous, on va soutenir. Amen. Oui. Amen. Mais c'est vrai. Amen. C'est lui qui est de Dieu, mais soutient l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre aussi compte et concerne toi. Amen. C'est comme cela que, voyant, mais on pouvait se réjouir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Écriture nous montre le contraire. Il dit, et maintenant il dit, le juif, verset 45, voyant la foule, fut rempli de jalousie et il s'opposait à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Au lieu de pouvoir soutenir Paul dans la parole pour que les païens, en entendant la parole de Dieu, puissent être sauvés, non, les yeux, les croyants là, eux, comme vous le savez, injuriaient Paul. Le contredisait effectivement. Et vous voyez là, effectivement, ben, on peut lire qu'il insultait, il contredisait, n'est-ce pas vrai? Mais nous, quand nous sommes parfois assis, on écoute, nous. C'est dans notre cœur qu'on insulte, qu'on contredit. Dans notre cœur, et dans le silence. Oh, mais qu'est-ce qui se prend? Toujours là à l'intérieur. Mais tu es là calme, comme si croyant de la fougie, qui croit bien. Mais à l'intérieur, tu es en télépouvoir. Oh là là, ça bouillonne là-dedans. Là, il ne se met pas la bouche. Mais ici, c'est à l'intérieur. C'est pour ça, nous devons nous poser la question, on va savoir, comme nous l'avons entendu dimanche, est-ce que nous sommes de ceux qui combattons ou de ceux qui travaillons avec la parole? C'est là que nous pouvons réaliser effectivement avec ce que nous avons entendu, hein, en rapport avec ce que nous avons entendu dimanche. Mais nous continuons quand même ici. Merci à ce qu'il va dire maintenant. Paul, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu doit être annoncée, n'est-ce pas vrai? Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, non? Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Vous voyez? En fait, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Paul et Barnabas prêchaient la parole. On le contredisait par les religieux, les gens qui étaient des moyens pour les États. Et puis il dit, mais ils se tournent les hommes là, ils se tournent vers eux. Paul et Barnabas, pour regarder, il dit, mais qui sont ces hommes, effectivement? Parce que frères et sœurs, quand même Dieu agit dans un homme,
on a quand même les témoignages. Amen. On sait quand même que cet homme, Dieu travaille avec lui. Amen. Paul et Barnabas, on a vu quand même que Dieu travaillait avec eux. Ces hommes-là qui les contredisent, ils ont quand même vu qu'ils avaient quelque chose de Dieu en eux. N'est-ce pas vrai? Donc regardez maintenant ce qui s'est passé. Ce sont ces deux hommes-là qui se tournent vers eux. Il dit, mais puisque vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, ce n'était pas Paul et Barnabas qui parlaient. C'était Dieu lui-même qui donnait sa sentence, effectivement. Et ils pensaient que c'était des hommes. Non, monsieur, c'est là qu'on doit faire très attention en rapport avec les choses de Dieu et de ceux qui servent Dieu. Parce qu'une déclaration qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, quand il est sous l'onction, fais attention. Amen. Sûr et certain. Sûr et certain. Regardez. Il dit, mais puisque vous repoussez cet évangile, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, il est bien ici, hein, il dit. Mais voici, nous nous tournons vers le païen. Qu'est-ce que chapitre 15 a dit? Dieu a jeté les regards. Donc, c'est Dieu maintenant qui tourne le dos à Israël pour se tourner vers les païens. Et ils disent, nous nous tournons. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Nous nous tournons Amen. Vers les païens. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, puisque nous travaillons, Amen. Avec qui? Amen. Avec Dieu. Amen. Ne vous demandez pas de prendre la grâce de Dieu en vain, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc ce que je dis, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Dieu qui dit. Nous nous tournons vers le païen, donc Dieu se tourne maintenant vers le païen. La lumière est partie vers les nations. Oh oui, monsieur. Qu'est-ce que l'écriture suivante dit? Elle est très bien. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Or, cette écriture se référera à qui? Au Messie, messieurs. Amen. Nous l'avons lu avec vous, non? Amen. Ésaïe 49, verset 6, jusque. Vous l'avez vu, non? Amen. Mais non, c'est Paul et Barnabas qui s'appliquent l'écriture. Amen. C'était pas les gens qui s'appliquaient, c'était Dieu Amen. Qui appliquait l'écriture à ses serviteurs. Amen. Il dit, car Dieu, très bien. Car, et puis, verset suivant, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pourtant, ils étaient deux. Alléluia. Amen. Pourquoi la télévision vous est non? Il dit, j'étais établi. Alléluia. Donc, d'abord, c'est d'abord. Il n'y avait que Christ, mon frère. Le même évangile, le même esprit. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon frère et ma soeur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Nous vivons des moments particuliers. Amen. Amen. L'Église est en train de vivre des moments particuliers. Oui, monsieur, et c'est cela qui commence à pouvoir bouger. Le gens ne le voient pas, mais ça bouge déjà. Amen. Ça bouge déjà. Vous savez, quand la mer est fait comme ça, elle fait comme ça, n'est-ce pas vrai? Allez vers la plage. Ça bouge comme ça, non? Oui, c'est moi le mouvement, effectivement. Quand vous regardez, effectivement, vous trouvez, mais ça fait du mouvement. Qu'est-ce qui se passe, comme on dit? Mais en fait, si vous observez très bien, il y a des saletés qui s'accumulent à l'extérieur. En bougeant, effectivement, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Ça s'écoule, ça fait rejeter ce qui n'est pas bon à l'intérieur. À l'extérieur, on trouve. Allez-y, faire les bâches. Vous trouvez, quand vous avez la table, allez voir. Les saletés qui étaient à l'intérieur sont en train d'être rejetées. Mon frère et ma soeur, quand Dieu commence à travailler, vous savez, il y a quelque chose qui montre effectivement dans les Saintes Écritures. Je pense que c'est là, c'est ce que tu as été parlé en parlant effectivement de quelle est l'attraction en fait. Il y a quelque chose qui fait que ça attire, ça ramène, mais ça ramène qui? Les jours de Pentecôte, effectivement. Regardez comment les uns les autres agissaient, effectivement. Il y avait quelque chose qui attirait les gens. Amen. Aller vers le même but. Amen. Et finalement, le gens ne voyait pas tellement très bien. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on voit ces gens? L'un s'élève, il va déposer aussi, il va vendre ses champs, il va faire ceci. Pourquoi ils le font?
quoi cela, effectivement? Pierre n'a rien dit de cela, vous savez dit? Mais c'est plus tard. Dans le chapitre 4, vous savez dit? Le verset 32. C'est là qu'on a compris. Tous ceux qui croyaient, ils avaient tous quoi? Ah, quelque chose qui travaillait, effectivement, pour amener quoi? L'unité. On se rend compte qu'effectivement, que celle-là, c'est à moi. Celui-là, c'est à moi. Donc, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et sans l'ombre d'un frère, on se rend compte qu'on se donne. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui fait que nous avons la même inspiration. L'évangile nous réveille et nous ramène effectivement à l'unité de la foi. Où nous sommes appelés à pouvoir dire, mais certainement... Mais il croit comme moi. Il croit comme moi. Nous croyons tous ensemble, effectivement. Et j'ai fait un geste comme ça, lui aussi fait un geste dans ce sens. Mais pourtant, on ne s'est pas entendu. Non. Alléluia. Ah oui, monsieur. Les autres, on l'attend. Mais en fait, mais vous attendez quoi? Dieu est en train d'agir. Amen. Ce n'est pas le vieux moi qu'effectivement que le bébé a commencé. Je vous bénisse. Le bébé a commencé depuis longtemps. Amen. Et dans les ventes, pendant qu'il grandissait, vous ne le voyez pas. Mais la maman sentait. Amen. Il dit, mais tiens, les mouvements ont changé. On voit que les bonhommes ont commencé à pousser les autres. Avant, c'était plus loin, on ne sentait rien. Mais dans cet moment, la maman qui porte le bébé dans son sein, elle sait. Amen. Il va dire, Joseph, Joseph, viens, vois maintenant son pied. Dis, voilà, touche là. Le pied, ici, c'est les pieds. Il joue au ballon. Hein. Mais avant, c'était pas comme ça. C'est encore. La femme, c'est encore. Donc, elle, qui est donc concernée, elle réalise qu'effectivement, oh, il y a quelque chose qui se passe. Mais les autres qui ne sont pas concernés, ils ne voient rien. Ils voient la question qu'on dit, c'est quand encore? Mais elle sait. C'est bientôt. Parce que voyant le travail qui s'est fait, ici, au stade où je suis arrivé, même si le médecin avait dit, écoutez, il faut encore 2 mois, madame, mais à ce moment-là, je sens que ce bébé ici, il est vraiment tellement beau qu'il arrivera à terme. Des moments, ils ont ça. Parce que c'est là, c'est la partie qui les concerne. Donc, aussi, nous, avec les choses de Dieu, ne jouez pas, frère, ça. Amen. Vous savez que l'évangile qui a atteint le monde aujourd'hui, hein, qui a quitté Israël pour nous atteindre, regardez-moi s'il vous plaît ça. C'était pas avec 1 million de croyants, avec 11 apôtres, plus le 12e, vous savez, non? Et puis après, ils étaient sur ce côté-là. Mais Dieu a travaillé avec qui? Avec Paul. Amen. Mon frère et ma soeur, parfois, il faut qu'on voit beaucoup de monde, vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Je vous ai dit, non? Quand je suis arrivé en Jamaïque, ça faisait 7 ou 8 ans, je pense. Il disait, bon, qu'est-ce que vous trouvez? Et on me dit, oh, nous avons dit, quand tu venais, on dit, oh, vous venez sur ces lits, non? Amen. Il dit, mais, pay attention to the word. C'est-à-dire que prêter attention à la parole de Dieu est en train d'arriver. Alors, comme ce qu'ils m'ont dit, hein, il dit, ça, c'est ce que nous avons de toi. Il dit, quand les gens ont entendu que paix et tout le monde arrive, il dit, on va mettre de l'ordre dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que dans la... Il dit, mais les gens ont commencé à se mettre en ordre dans les choses qui concernent Dieu. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, frère, tu ne peux pas te rendre compte ce que tu as semé comme semence quand tu étais venu ici. C'est toujours resté là. Il y avait une jeune fille qui avait, à cette époque-là, 14 ans. Quand je suis arrivé là-bas, elle est maintenant 24, elle me dit, mais pay attention to the world. Je l'ai regardé. Elle dit, oui, elle avait 14 ans. Elle dit, quand tu prêchais là, elle écoutait. Amen. Oh oui, monsieur. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu vous envoie l'extrémité? C'est qu'il y a une sémence. Amen. Dieu, oui, vous prêtez pas. Et pour ça, vous dites que, allez, cette parole que vous entendez ici, beaucoup sont en connexion, mais elle part loin, monsieur. Il y a de nombreuses que vous ne connaissez même pas, qui croient à ce qui est prêché ici. Amen. Quand vous regardez effectivement, mais l'assemblée, elle est très grande, monsieur. Amen. C'est ça la manière de Dieu. L'agir, ce n'est pas ce que vous voyez. Il savait. Je prie pour eux, pour ceux qui croiraient. Amen. Par la parole. Amen.
Nous sommes de ceux-là. Amen. Amen. Juste, il y a presque 2 millions, monsieur. Donc la parole a toujours la même puissance. Amen. Ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché. Oui, monsieur. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Cela retentit. Nous continuons notre travail. Alors regardez bien, nous allons terminer par là. Il dit. Verset. Il dit oui. Donc, car ainsi nous avons donné le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans verset 48, il dit, les païens, vous avez entendu cela? Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés. Voyez-vous? Amen. Dieu connaissait sa sémence. Disséminé, mais tous ceux qui étaient destinés à quoi? À la vie éternelle? Crurent. Les païens, monsieur. Les juifs étaient honteux, monsieur. Vous l'avez rejeté? Voici, nous nous tournons vers les païens. Et Dieu confirme la parole. Amen. Et les païens croyaient à la parole de Dieu. Pour confirmer, mon frère et ma soeur, que comme mon précieux frère l'a lu, quand Dieu dit, la chose doit arriver. Lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Amen. Cette parole que nous avons, elle est 100% vraie. Amen. Elle s'accomplira certainement comme Dieu l'a prononcé. Amen. Si toi, tu ne la crois pas, tu la rejettes et tu joues comme tu continues à jouer, ne pense pas que Dieu n'aura pas un véritable fils. Amen. Ou une véritable fille qui sait pas pour s'accrocher à la parole de Dieu et d'être comme l'Écriture le veut, parce que Dieu l'a prédestiné. Amen. Car tout ce que Dieu a connu d'avance, Amen. Il a aussi prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son fils. Amen. Monsieur, madame, vous pouvez me regarder comme vous voulez, me traiter de ce que vous voulez. Mais je sais que la parole qui est prêchée, c'est pour une semence. Amen. Sûre et certaine. Amen. Elle croira, sûre et certaine, elle atteindra son objectif. Amen. Et le Dieu que nous servons, effectivement, dans ce temps, aussi comme le disait, je termine par là, que c'est le temps de la grâce. La grâce, avec que grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Pour l'amour de Dieu, n'ayez jamais des habitudes dans l'assemblée. Amen. Amen. Chaque fois que vous venez, ça doit toujours être un jour particulier. Amen. Pour vous. Amen. Amen. Les formalismes sont des choses qui réellement étouffe la flamme dans le cœur du jeune. C'est pour ça que je suis heureux quand je vois comment l'esprit vous saisit, vous chantez, vous sautez, vous criez. Quand vous êtes dans cet élan, louez Dieu. Amen. N'écoutez pas ce que dit, oh, ils sont entrés, même si quelqu'un dit, mais ils sautent. Moi, j'ai dit, louez Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit vous pousse à pouvoir sauter, sautez. Amen. À danser, frère. Amen. Parce qu'il s'agit effectivement de ce que c'est Dieu. Je vous le répète à ma reprise, frère, de ce que c'est Dieu a fait pour vous. Amen. Alors quand vous chantez pas pour le voisin. Non. Si en certain moment le voisin se sent un peu mal à l'aise, priez pour que le Seigneur lui accorde la grâce qu'il entre dans l'esprit. Amen. Quand il va rentrer dans l'esprit, il comprendra qu'on ne le fait pas pour notre chair. Non. Non. On les fait effectivement pour ces dieux qui étaient morts et qui est ressuscité, et pour que moi je sois aussi justifié aujourd'hui. Alors, c'est de tout mon cœur que je lui donne ce que je suis. Alors, si Dieu m'a accordé la grâce, vous savez, il y en a de ceux qui sont timides, c'est vrai? La timidité, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Je suis sûr et certain. C'est la Bible qui le dit, non? Amen. Amen. Dieu ne nous a pas donné quoi? Il nous a pas donné l'esprit de timidité. Amen. Mais un esprit de force. Amen. Et de puissance. Amen. 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 On doit
manifester ce que Dieu est pour nous. Manifester la vie de Christ à nous. Et comme vous le savez, c'est Dieu est un Dieu d'or. Amen. Et vous le voyez bien. Amen. Pendant la prédication, personne ne sonne. Non. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais pendant l'adoration, eh bien, c'est l'adoration. Amen. Nous sautons, nous prions, nous... et puis il est normal que nous puissions ponctuer la main la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas être là et dire Alléluia. Gloire à Dieu. Non, monsieur, c'est... nous ne sommes pas dans une assemblée de morts. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Les vivants. Alléluia. Les vivants. C'est sur ceux-là qui te louent comme moi aujourd'hui. Amen. C'est écrit, non? Amen. Dans Isaïe, vous connaissez l'écriture. Amen. Donc nous devons être conscients de ce que le Seigneur nous a accordé comme grâce. Et arriver à pouvoir aussi vivre selon cette grâce qui nous a été donnée. Nous étions incapables de faire le bien. Amen. Aujourd'hui, le péché n'a plus de puissance. Amen. Plus de pouvoir. Nous avons le pouvoir. Amen. C'est pourquoi nous remercions Dieu, parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sainteté, mais c'est par sa puissance, par son esprit, que nous sommes ce que nous sommes. Amen. Et l'apôtre Paul l'a dit, toutefois pour moi, Amen. Mais sa grâce, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-vous.